Salut les gens, c'était l'école Little Giggle Friend, on se retrouve. Cet écran, je l'avais oublié. J'ai vu dans quand j'ai eu pour télécharger, pour charger la sauvegarde, mon dieu. J'espère que vous allez bien. On se retrouve sur l'épisode 6 de Daredevil. Et on a cette fameuse tête. Mon dieu. J'étais pas prêt pour ça. Bon, une tête humaine putréfiée, elle a l'air de me regarder droit dans les yeux. On va prendre la recette. Oh! Alors qui mangez-moi? Mangez-moi, mangez-moi, mangez-moi. Non merci. Oh! C'est du délire, mais ce message gravé sur la tête, ça me fait penser que je devrais m'en servir pour quelque chose. You're still not looking, are you? Why? Is it okay to look now? No. No. Nothing to see here. Nothing at all. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Et il y a vraiment rien d'autre ici. Juste marqué salope un peu partout. On traverse ça. Ok, tas de graisse. Examinez. Tout ce qui reste d'elle, c'est ce tas de graisse. On va ramasser ça. Ça fait qu'on a de l'huile de ricin, de l'herbe, des clopes. Non, des clopes. Du gin. Recette. Ma recette du smoothie pour grossir. Graisse de ventre bien grillée. Une pinte d'huile de ricin. Verre d'esprit. Donc le gin. Une tête humaine et de l'origan. Une feuille. Manger le tout et savourer. Ah. Là, je n'ai pas pu récupérer ce fusil à pompe. Malheureusement. Ça fait qu'il faut qu'on aille en cuisine. Logiquement. J'ai l'impression d'avoir vu un truc. Mais je dois délirer. Ah, la fin. Alors. Rien qui n'a changé. Pareil ici. Ok. Le mixeur, la casserole. On va ouvrir le gaz. Il y a rien. Ok. Ok. Dans la casserole. Merde, attendez, la recette. Donc. La graisse grillée. Est-ce que c'est dans l'ordre? Je sais pas si en fait on doit utiliser le mixeur ou pas. Je suis la tête dans le mixeur. Sauvegardons ça, mon dieu. Alors, le mixeur, on va l'allumer. Inutile de l'allumer si c'est vide. Putain, mais qu'est-ce que je vais mettre dans le mixeur? Est-ce qu'on met la graisse? Alors, ça me dit, hein, ça c'est cru. D'accord, c'est après qu'on va tout mettre, d'accord. Donc, on va mettre notre graisse. On peut pas le griller sans huile. Putain. L'huile de ricin. So you're cooking us dinner now? No, it's not for us. Oh, good, good, because you're not really meant to fry things in castor oil. Ouais. No, I think I'll try anyway. Alors, on va mettre ça. On met la graisse. Putain, j'y arrivais, je vais y arriver. L'huile est froide. Ah, mais ton père le chat. Ça va se fermer, vu qu'on lui a remis un cerveau. Ça y est. Ah! Autrement moins les touches. Alors qu'il c'est que les touches directionnelles, hein. Alors. Pas de commentaires? C'est parfait. Pas ici. D'accord. Casserole. Prendre le gras grillé. Si comme ça. Hey, I found this fork in the house with all the coffins. Ah. You might want to use it for whatever you're doing there. Merci. Thanks. You're welcome. Ça fait que là, dans le mixeur, on va mettre
notre graisse grillée dans le gras. Mais sinon, c'est surtout le sucre qui fait grossir. On va mettre notre gin, si je me trompe pas. On aurait pu gagner tellement de temps si j'arrêtais de me tromper. Voilà. On va mettre notre herbe. Et pourquoi mettre la tête? C'est... Ah. What you doing, Seulement ce qui doit être fait. Is that a human head? You know, we're not here for fun. Oui. If this is what she wants, I'm gonna give it to her. C'est dans la recette. C'est dans la recette. Ou peut-être, est-ce qu'on peut faire sans mettre la tête de... Oh, il manque encore quelque chose. Ah, la recette. Alors. Ouais. On va remettre de l'huile. Une pinte d'huile de ricin. Mon dieu. T'as bien raison. T'as bien raison. What? Je peux vomir si tu veux, c'est pas grave, hein. Agnès. What the? What? Agnès? I'm sorry for freaking out like that, but that grinding noise, it was too much. I know. But remember, we're doing this for Ivy. Yeah, I know. She'd better be worth it. Come on then, and don't forget to take your smoothie. C'est quelque chose ce passage. Mais c'est une bonne idée d'avoir remplacé le rock par... enfin, remplacer le bruit de broyage par le bruit du rock. Le bruit du rock, par la musique, je veux dire. C'est une bonne idée. Ça fait qu'on était au troisième étage. Mais ça, c'était pas si badant que ça, mais j'attends encore des moments bien badants. En ce moment, je suis en train de jouer à Fear et... c'est pas un jeu extrêmement badant, mais bon, t'as des petits passages sympas. Je sais pas si faire Fear en let's play, c'est... Si c'est intéressant ou pas. Not spooked. Did you notice that Harrison's body went missing from the home? Oh. I bet it's got something to do with her. You think she took it? But where? Chambre d'Harrison, patientement. Ouais, sa chambre, je dirais. Harrison's room? The one on the second floor? There's only one way to find out. Ouais. Let's go. Parce que à l'hôpital, où? Où à l'hôpital? L'enterrer, je pense pas. Ou qu'il a, il a traité vraiment mal.
Et sa chambre, je ne sais même plus où elle est. Je sais plus quelle chambre c'est. Je crois que c'est vers là. Peut-être la 203 ou la 204. Ivy. Salut Ivy. Ivy. You're alive. Ivy. Ah. What's wrong with you? Ah. You look like you've seen a ghost. Je crois que je deviens fou. Why? And also, is it time for me to start running away screaming? Don't be stupid. Not that kind of crazy. Ouais, j'espère. I saw something. It was Ivy. Right there. Méchant jeu de me faire ça. Nope. Can't see anyone. Ah, bah, heureusement que la personne qu'on doit sauver meurt meurt sous nos yeux. Really love your Ivy, don't you? It's complicated. Je te dire ça. Always is with relationships. How would you know? You don't even remember who you are. Don't be a dick. I was only trying to help. Désolé. I'm sorry. I'm not used to talking about it. I don't really have many friends. It was always just me and Ivy and our stupid problems. It's okay. I understand. Fist bump? Sure. Bien sûr, quand même. Voilà, parfait. Brofist. J'aurais voulu refaire la voix de PewDiePie, mais j'ai pas eu... Non. Ça aurait été un truc dégueulasse. C'est la 203, jamais 203. C'est bien ce que je me disais. Oh, c'est toi. Hello. Come in, come in. C'est une référence à Fatal Bazooka. La chambre 203. You must forgive Harrison. He's feeling a bit poorly today. Hello. Pas grave, laisse-le dormir. Let him sleep. Oh, I'm so excited. Oui. We've had a good talk and he's promised to change his ways. Je suis sûr. Now, he will never walk away from me again. Non, si bien, il pourra pas. He couldn't if he tried. Est-ce que tu as faim? Are you hungry? I should be on a diet, but it's been one crazy day. I'm ravenous. I found this recipe for a smoothie. My secret recipe. Ah, c'est la sienne. I don't remember where I left it. Well, I've got it, and I made it for you. Oh, so nice of you. I shouldn't, but. Oh my God. Secret, right? Bien sûr. After all, it would be a shame to waste a good smoothie. Attends, je peux pas lui parler d'abord? Regardez, elle a l'air plus heureuse maintenant. You must forgive Harrison. He's feeling a bit poorly today. Ah. Ah, ah, ah. Ah. So good. Are you feeling all right? Yes. Wait, I don't know. I have a funny aftertaste in my mouth. Do you add oregano? Oh. Oof. My stomach. I feel sick and. Oh, la mort horrible! What's happening to me? Mais... Ah, elle explose, mais bordel! Ah non! Plus proche de l'implosion! What have we done, Joe? Qui devait être fait. Ah. We did. Oui. What we had to do. Voilà. Et si on sait que ça se finit mal.
Plus qu'une. Et je sais pas comment la battre. Oh, fudge. Attends, je suis bloqué. Je peux rien faire avec Sophie. Alors, on va se barrer, hein. Salut, toi. Joe, do you realize how hard it is to wash blood off these carpets? We just can't carry on like this. It's time for a serious talk. I'm headed back to my office upstairs. Please come and see me. I have a proposition for you. What if I'm not interested? You will be. Trust me. Est-ce que ce serait pas une autre forme de Sophie? Normalement, il y en a quatre. Whatever she's got to say, do not trust this woman. Yeah. I just feel it. She's not a real person. C'est ce que je me disais. Qu'est-ce qu'on aurait à faire alors? Je vais sauvegarder, aller la voir, puis recharger la partie, juste pour voir, par curiosité. Mais oui, c'est vrai que ça sent, je sens que ça sent un peu le caca. Cette femme. Je vois pas trop quel côté de ce fin. Je sais pas. Sauvegardons. Alors, quelle idée de titre, quoi. J'ai plus d'idées. J'ai de faire des jeux de mots marrants. Non, c'est pas là. C'est vrai qu'il y avait toujours ça. Il y a deux chambres 403? Examiner. Entrons! Ah, and here's my American boy. I knew you'd come. Je l'avais pendu, moi. I didn't think you'd bring a chaperone with you. I should kill you right here, right now, for all you've done to us. Elle est déjà morte. What's stopping you, Joe? I want to find out what you know first. That's not going to happen. Unless you strip me naked, tie me to a bed, and torture me until I scream it out to you. Trop envie, perso. You know I won't do that. No? Shame. Voilà. It's time you've told me who you really are. You know very well who I am. I am your secret little desire, Joe. Your perfect woman. I'm never bitter, or tired, or not in the mood. Instead, I'm composed, and strong, and spontaneous. I don't burden you with my baggage of problems. I don't poison your life. C'est un autre obstacle pour nous empêcher de sauver Ivy. Now is the perfect time for us to reconcile. To forget about that little bitch, Ivy. To run away and be happy. Mais tu n'es pas vrai! What do you say, Joe? T'avais même la table, quoi. Non. No. I'm not that kind of person. No, you're a good guy. After all, you did listen to your wife when she wanted to share her problems. And you were always there for her. But no one is perfect, Joe. Sometimes even when we think we're right, we're so wrong. You know what? I helped you once before, when I left that key on the desk. I'll help you again, just to prove that I'm not as evil as you seem to think. But let's play a little game first. I want you to follow me to a special place. We're not following you anywhere, right, Joe? The little mouse can talk. You have a strange taste in women, Joe. C'est qu'on est entouré de femmes, quand même. I've got something you need.
A perfect weapon. Just follow the trail. I'll be waiting. We're not gonna do it, are we? I know you don't trust her. Je sais pas. But we might have no choice. C'est ça. Est-ce qu'on a le choix ou pas? A perfect weapon. Tempting. Qu'est-ce que ça pourrait dire? Qu'est-ce que ça pourrait dire? Rien à dire sur ça. Éloigne-toi. Éloigne-toi de ça. Voilà. Est-ce qu'on a envie d'y aller? Il n'y a rien de bon là-dedans. Tu m'étonnes qu'il n'y a rien de bon. Très bien. Très bien, très bien. C'est quelle porte là? Je vois que la 402 est ouverte. Cette porte là. Fermée. Avec la 400. Chaussure. Examiner. C'est sa chaussure. Ouais. Non, c'est la 401 qui est là. Qui nous ouvre justement. Sur la maison parfaite. Mais la maison parfaite, on peut rien faire. Donc on peut rien faire ici. Là, le garage. Pareil, on peut rien faire. Il y a un corbeau sur le mur là-bas. J'ai examiné ça, mais je vois pas qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre. Là, on peut rien faire. Ah oui, il y a une autre photo de la. Il faut juste qu'Ivy se bouge. Voilà, il y a une autre photo. C'est la femme du développeur. Je dis pas de bêtises. Là, on avait fouillé, c'était vide. Ça, j'avais dit que c'était comme Pokémon. Oh, est-ce qu'on pouvait y aller? C'est vrai. Et on peut lui parler? Je... Ok, rien à faire vraiment ici. On peut que se barrer. Un peu de musique, c'est du bien quand même. Je sais pas si c'est une musique qu'on retrouvait dans The Cat Lady. Je vois pas ce qu'on peut faire d'autre. En fait. Bien verrouillé. Possible la piste est ratée. C'est pas peine une cage d'escalier. Elle est probablement descendue. Au premier étage. Au rez-de-chaussée, je veux dire. Ou dans notre chambre. Regardons le premier étage. C'est pas notre... Si, c'est notre chambre, celle-là. Lit de Joe. On peut dormir. Je vois pas qu'est-ce que ça va faire. Dormir. Pas maintenant, bah oui. Pourquoi tu nous donnes l'option, alors? Ça, c'est la chambre. C'est la chambre de Sophie, oui. Descendons ces escaliers. Tant que j'ai plus à aller au sous-sol, moi, ça me va. Ah, blouson. Elle est passée par ici, elle est passée par là. Bah, examinez. Son manoir, c'est clair, elle a laissé pour moi. Dans la cuisine? Petite frayeur sur 20. Rien ici. Dans la cuisine. Si ça me dit rien qui vaille.
Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Jupe. Ah! Examiner. Passage secret dans le frigo, je devrais être surpris. Entrons. Même si ça me dit rien du tout qui... Ah! Sympathique. Nice. Culotte. Culotte blanche, mais pourquoi tu t'approches? On est proche, il a déjà enlevé la plupart de ses vêtements. Pourquoi tu l'as touché, Joe? Pervers. J'aime pas ça. J'aime pas ça. Et là, il y a son soutif qu'on peut pas examiner. Envie d'une clope, Joe, avant de faire ça? Non. Come on, Agnes. Just a second. I think I saw something. Turns out it was nothing. Hey, wait for me. Non. Ah, oh bordel. Oh mon dieu. Tat-tat. Non, mais bordel! Agnes! Wait. What took you so long, handsome? What? No! Welcome to my private bedroom, Joe. Come closer. Don't be shy. Fuck! La hache! Non, la hache! Mais... Non! Pourquoi tu... Why won't you just... explain all this to me? What's there to explain? Isn't it obvious that we fancy each other? I don't fancy you. No? Then tell me this. On your way here, when you found my panties, did you examine them? Oui? Yes, but I was just... No excuses, Joe. You couldn't resist and that's okay. I wanted you to examine them. But really... I just want to understand what's going on here. Ugh. But didn't we already have this conversation? Twice? Oui. C'est vrai. Yeah. But every time we do, you tell me exactly nothing. Fine. I'll tell you a secret. Okay. This hotel is built on an ancient Indian burial. Ah, mais oui. Bien sûr. What? You believe anything at this point, wouldn't you? N'importe quoi, oui. Accept the truth, of course. That one is always hard to accept. Putain. I've seen this axe before. This axe? Are you sure? Yeah. I'm sure. But it's just an ordinary fire axe. And the salt? We keep it here in case of, you know, fire. There's blood on it. Maybe just a drop or two. What is it doing here? It's a gift for you. I told you. This axe will be your final weapon. Why are you trying to seduce me? Because you and me are a perfect match, Joe. We are meant to be together. Just imagine this. No more silent treatments. No more crazy talk. No more of any of that shit. You don't deserve it. You never did. This axe would come in handy for sure. I think you'll look good with an axe. A real... killer. Don't call me that. You've already murdered a bunch of people today. And some animals. They were not real people. Look, I'm not saying it bothers me. All I want is for us to be together.
But that's not going to happen unless you take this axe and remove that one last obstacle. Quel obstacle ? What obstacle ? Ouais. The creature standing right behind you. You didn't mistake her for a friend by any chance, did you? That sweet, naive little Agnes. Her only purpose was to stop you in your tracks. She was lying to you all along. Just look at her. This is the real Agnes. No. The parasite that you have to kill. No. 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 I don't believe you. Non, c'est pas vrai. It's your choice. But deep down, you know what you've got to do. Grab that axe. Take a big swing. And fuck her up. Examinons donc, voyons, c'est ma... Maintenant, c'est ma hache d'incendie, voyons ce qu'elle a... Vraiment. Je la prends. You can do it, Joe. Ah mon dieu. Ah. You really think I'll fall for these lies? Oh mon dieu. Ah. Mon dieu. On peut pas ranger la hache. Sophie, I'm coming for you. This is the end. Je suis retourné là pour voir si ça a changé. Rien n'a changé. Toujours le l'ombre de la directrice qui est pendue. Toujours fermé. Et on n'a plus qu'à aller là. Bizarre que le sang ne soit plus là. Pourquoi il y a une tasse là-bas? Chelou. Allez. Bien sûr, elle est plus là. Porte examinée. Je croyais qu'elle est passée par là. Attention, allez, vous voyez derrière elle. Ça va pas m'arrêter. On va la casser. Qu'est-ce que... Ces tableaux, mon dieu. Thank you.